Théâtre de la souffrance est une des pires instances anti-tyrannique. Et Never peut te le confirmer, franchement, c'est horrible. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, dans cette vidéo, montrer un petit peu une route qu'on a utilisée pour le théâtre de la souffrance sur une clé en plus 10 qu'on a timé avec 7 minutes d'avance avec mon groupe, avec mon crew, avec le Kamakrew. Dans cette vidéo, du coup, je vais te parcourir rapidement, je vais te faire une introduction, on va voir un petit peu rapidement le type de route qu'on prend, à quel moment on utilise les Prideful et pourquoi on le fait. On va voir également des mécaniques qui sont propres au rush de Donjons Mythiques, c'est-à-dire on va faire, il y a du Death Run, il y a de l'utilisation de portails démonistes, il y a de l'optimisation de route de pourcentage. Et je vais également te upload du coup le run complet afin que tu puisses voir par toi-même. Soit potentiellement en te laissant guider en regardant tranquillement le donjon, soit simplement en cliquant les points que tu as envie de voir. Si par exemple tu as envie de voir sur un boss en particulier, comment on fait. Par exemple, le dernier boss, un tyrannique, bordel, comment ils font pour réussir à le passer. Alors ça reste que du plus 10 et c'est quelque chose qui est encore assez frais pour moi. C'est-à-dire que je commence que depuis Shadowlands à m'intéresser réellement à quelle route optimiser, quel pack prendre, quelles sont les mécaniques poussées de donjon. Donc évidemment on essaie de faire ça au mieux avec, avec les mecs qui sont avec moi. Mais il y a encore du progrès, donc on n'est pas sur du world first. Mais on est quand même sur des trucs qui je pense peuvent être assez sexy et peuvent être assez sympas à regarder. En tout cas n'hésite pas à me dire, tout ça ça vient également d'un live Twitch. Donc je stream assez régulièrement sur Twitch, de plus en plus, hein, je suis quand même... 4 ou 5 jours sur 7 en live pendant environ une durée de 4 à 5 heures à chaque fois. Donc n'hésite pas en tout cas à venir me retrouver en live si t'as envie de voir. Et n'hésite pas non plus à me dire qu'est-ce que t'en penses en commentaire de ce type de vidéo. Est-ce que ça t'est utile et quel type d'astuce tu rechercherais. Sachant que c'est du hors-la-loi, du voleur hors-la-loi. Et qu'il y a un guide qui arrive tout bientôt exprès sur le voleur hors-la-loi. Donc si t'arrives à choper des petites astuces ou voir des trucs dans la vidéo, tant mieux. Mais t'inquiète pas, il y a un guide qui arrive. On m'a demandé énormément à le faire. Donc t'inquiète pas, c'est bien noté et ça va vite arriver. Je te laisse profiter. Et comme toute belle aventure, ça commence par une mort instantanée. Wait. L'idée ici, c'est que quelqu'un aille prendre les monstres à droite et se suscite simplement pour qu'on puisse se ressusciter. Tout le groupe passe pendant ce moment-là, ça permet de ne pas avoir à faire les monstres tout de suite. Ils font que 7%, donc ça ne sert à rien, on n'a pas besoin d'activer la fixe directement avec eux. Il vaut mieux les garder pour plus tard, pour activer le gros bonhomme rouge avant le boss de fin. Donc ici, simplement, une personne se suicide, on la ressuscite, on met tous les CD qui sont up, du coup vu que c'est le début de l'instance, sur les boss et on les dégomme. Après, l'idée c'est de partir directement en haut, donc là au niveau des petits monstres, une bonne façon de faire c'est de les ramener dans le tunnel pour éviter d'avoir les AOE sur la tête, faire en sorte qu'ils soient paqués, etc. Donc on va clean ce premier pack de monstres et on fait exactement la même chose avec les fantômes verts qui sont de l'autre côté. Donc pareil, on les pull, idéalement par exemple une petite ficelle du métier pour aider le tank, on en fait un gros tas et on les dégomme. Donc si un moine évidemment il fait des gentilles toupies, le voleur hors la loi il va mettre ses meilleurs déluges de lames dans le tas, boum, petite volée, etc. et on le découpe. Ensuite du coup ça nous amène directement à la première liche. Alors ici, en prenant cette route, on n'a pas le Prideful pour la taper. C'est un fight qui peut être assez compliqué, généralement ça on est pas mal de petits CD au niveau du healer. Mais bon, ça passe quand même avec un groupe qui a choisi quand même pas mal de talents mono-cibles de façon à réussir à le gérer. C'est vraiment très très demandant au niveau du healer, il va falloir faire gaffe à pas mal de petites mécaniques comme par exemple bien se mettre dans la prison quand on est ciblé à la fin du cast, en voleur on gratte pendant 4 secondes et à la toute fin on se met dans la prison. Le but c'est de perdre un minimum de DPS et récupérer son âme le plus vite possible sinon on prend un tarif. Mettre un petit CD def, ça marche bien. Par exemple en voleur tu peux également mettre la cape d'ombre qui permet de pas prendre de dégâts. Ensuite, on file vers le boss à la bannière. Et ici, le but, c'est d'avoir le Prideful qui va arriver pile pour mettre la BL plus le Prideful directement sur le boss à la bannière. Ce qui permet de gagner énormément de temps dessus. Donc ici, on va clean les AD et compagnie et on va juste esquiver un pack grâce à la gate démo, un gros monstre, un des gros monstres de l'arène grâce à la gate démo. Il y a plein de façons de le gérer, de passer outre. Entre autres, par exemple, une solution, c'est simplement d'avoir la cape du voleur. Tout le monde l'utilise, sinon ça peut être des potions d'invisibilité, ça peut être d'avoir un groupe qui a des dash, des grip prêtres. Il y a plein de solutions qui permettent de le passer assez facilement. L'idée, vraiment, c'est d'aller skipper un gros monstre en suivant cette route, le dernier, juste histoire d'avoir le Prideful à ce moment-là. Boom, qui permet de démonter ce gros boss.
Et une fois qu'il est tombé, il n'y a plus qu'à se diriger dans l'aile qui reste et aller se faire le boss avec les chaînes et la prison. Alors celui-là en soi, il n'est pas très compliqué, c'est pas le plus compliqué en tyrannique, surtout avec un groupe qui a de la voix un petit peu passive, comme par exemple le druide équilibre, le voleur à la loi, où ça va être vraiment très simple de dégommer les ZAD tout en faisant du cleave sur le boss principal. Donc là, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir un Prideful ou une BL. Généralement, ça va bien se passer, le fight va un petit peu durer, mais il ne met pas des dégâts qui sont insane, les mécaniques sont assez simples à gérer, il n'y a que deux à la fois, honnêtement, c'est pas la plus grosse difficulté. Et le fait de pas justement utiliser la BL, enfin d'avoir la BL en le cooldown à ce moment-là et de pas utiliser Prideful, ça permet de tout garder pour le dernier boss. Donc, simple, ça va pour du cassage de bouche de ce boss-là pour ensuite arriver sur le dernier boss. Et du coup, en suivant cette route, il reste 7%, ce qui correspond pile poil à ce qu'il y a au début de l'instance. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit c'est de faire un monstre en plus en bas, des monstres en plus en bas pour aller choper les 4% supplémentaires, soit simplement d'aller faire les 7% ici, donc on tue lui, on fait les autres ZAD, et à partir de là, il y a Prideful qui apparaît. Quand Prideful apparaît, tu sais qu'il ne restera plus qu'à aller te faire le boss, mettre une BL et essayer de le tuer le plus vite possible. Sachant que ce boss-là, plus tu vas le descendre vite en HP, plus tu vas faire passer des phases et plus il sera simple à gérer. Pour le voleur en la loi, j'ai pas mal lu dessus, donc j'apprends encore. C'est quelque chose que je m'entraîne pas mal à faire en donjon, donc le gameplay est pas parfait. J'ai beaucoup de théories plus que d'exécution de gameplay. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses que tu peux voir, tu peux voir au fur et à mesure de la vidéo. Ce qui est très intéressant au voleur en la loi et ce qui pour moi le rend entre autres la classe la plus sexy à avoir dans un groupe de Mythic Plus, outre le fait qu'il est capable d'apporter un utilitaire de malade avec ses redirections d'aggro, ses stuns, ses interruptions, ses pertes de contrôle absolue, ses saps, sa shroud, son immunité, c'est aussi le fait qu'il a des dégâts qui sont constants, permanents, sur tous les packs. En gros, là oui, la plupart des classes vont faire du 20 000, ou 4 000, ou 20 000, ou 4 000, suivant s'ils ont leur cooldown. En voleur hors la loi, tu as des dégâts qui sont extrêmement constants. C'est plutôt genre du 7000 ou 8000 à chaque pack. Et c'est vraiment super intéressant d'avoir quelqu'un qui est capable de mettre des dégâts en mono, en multi, et de façon permanente. Tu sais que peu importe le pack, il sera là. En plus, les dégâts sont instantanés. T'as aucun setup à faire. T'arrives, boum boum, les dégâts sont là. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc je te laisse profiter du run, je t'ai upload complètement tout le run sur YouTube, donc c'est un essai, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo et que j'upload une rediffusion donc qui s'est passée au niveau de Twitch directement sur la chaîne, donc je me suis dit que cette clé là pouvait être un bon essai, un bon petit crash test comme on l'appelle, donc hésite vraiment pas à me dire ce que t'en penses, est-ce que c'est quelque chose qui te fait plaisir, est-ce que c'est une vidéo que t'as envie de revoir avec d'autres explications de route, de donjons, de mécaniques, des trucs en particulier, hésite pas en tout cas à tout me balancer en commentaire, tout me dire et je te laisse profiter de la vidéo. Kiffe bien et prends bien soin de toi. Allez, c'est parti. Du coup, Fire Rogue Outlaw, faut m'expliquer, tu as cliqué au mauvais endroit. Bah, c'est pas moins bien, pourquoi tu dis ça? C'est pas mieux qu'Irian que fait en Outlaw. Ah, ça passe, mais ouais, ça passe. Attends, on marche. On a de la chatte. Ok, il continue de se faire piétiner. Puis je joue les deux spé aussi, accessoirement. Et... ça marche aussi. Ok, il est reste. Et 3, 2, 1, c'est parti. Là, j'ai oublié de BL. Désolé, ça part après ça. On va pas aller. Nax, il en a aussi. Ouais, mais il me les a passés en fait. Je prends le kick, hein. Nickel. Oh putain, on est en train de les découper là, what the fuck. Ouais, il m'a vénère là. C'est bien, c'est ça qu'on veut, putain. Ouais, j'appuie bien fort sur le météore là, tu vois. Ah! J'ai kick, j'ai pas rien. Ouais, mais j'ai pris le même temps que toi. On avait le retour de nos CD, du coup, il y aurait ouais. Des vues que tu c'est pas grave. J'ai shroud. Enfin, cap. C'est pas pareil, gros. Ouais, je sais. Tu fais du tout la même chose, hein. C'est abusé la différence de dégâts dès que t'arrives en 11 et en 10. Hein. Elle est insane la différence. Hein. Ouais, je trouve aussi, ouais. Ça m'a l'air beaucoup dégâts, plus là, simple. En vrai, il n'y a plus de dégâts dans le groupe là, par rapport à la 11. Attends, je vais essayer de me... Ouais, ça serait bien de. Enfin, tu vois quoi, quoi. Je vais le kick, vas-y, vas-y. Parfait. J'ai kick aussi. J'ai pas réussi.
pas fait mon meilleur run en dégâts là. Hiro, ça va aller, c'est presque fini. What? Oh, j'ai cru que l'avait reset. Oh mec, j'ai la peur. Je vais juste toucher mortel tant fait. J'ai eu la peur de ma vie, il va disparaître. Attends quoi? Je me dis pas que ça va être reset là. Il allait m'insulter. Bah t'auras été typé pour rien, ouais. Là tu peux bouffer Canary, t'as le temps. Canary, ah ouais. Canary, ah ouais. Ah ouais, t'es un petit poussin mon frérot. Aujourd'hui je me suis fait full assister de tous les noms mec. Camar, on m'a appelé comment? On m'a appelé encore autre chose. Jamais joué. Bah après tu vois, tu vas pas changer de progression dès que tu changes de spé quoi, sinon c'est vraiment long. En gros, actuellement effectivement Kyrian est un tout petit peu mieux quand tu joues voleur hors la loi. Parce que du coup t'as le truc sur les combos et le fait d'utiliser des points de combo en voleur hors la loi, bah c'est intéressant. Vu que tu vas récupérer tous tes cooldowns. Cependant, assez rapidement en renom, les liens d'âme ils seront plus intéressants en fée. Du coup, ils apportent plus de dégâts, donc au final, en fait, c'était les liens d'âme qui vont plus te porter que le pouvoir. Généralement, en fait, faut plus regarder les liens d'âme que les pouvoirs. Enfin, ça dépend des classes, hein, mais dans le cas du voleur. C'est très vrai en tout cas. C'est stun. Golos, non, derrière. Ouais, continue. Il y a un vortex, hein, mais. J'ai pas le droit de dash. Pourquoi? C'est pas bien, là. Je sais que s'il tape pas, mais c'est. Ça change pas ça aussi. Ouais, super, ouais. Bah excellent, ouais, franchement, que du plaisir. Vas-y, montre-lui, c'est qui est premier à l'overall là, s'il te plaît là. Je dis ça, je fais le malin parce que j'ai des pays, putain. Ah, c'est bon, je peux. Vas-y, bon, ah, c'est vrai d'ailleurs, sans pays j'étais premier, putain. Non, ouais, sans la pays t'es premier. Mais voilà la vérité. Bah oui, mais je monte. Non, mais j'y avais pas pensé. Le sang. Je vais le stun, je vais kick. Pas trop, je vais enlever. Je te mentirai pas. Hein. Stun de masse maintenant. Le dernier, faut le kick. Le dernier qui arrive. Il va le buff. Ah, oh, je fais un peu d'imp là. J'ai pas un bon cycle de dégâts. Je fais un peu d'imp. Je suis un hélicoptère. Ah, ouais. Ils sont full buff. Ah, plus, ouais, hein. Let's go. Le zizicoptère. J'ai kick. Le fameux. Toujours là, toujours présent. Toujours sourire. Bien debout. Ouf. Et vous découpez ça. Bien rattrapé. Ça va être long. Par contre. Lui il te fait découper à chaque fois, hein, il a pas compris. Hein. Ouais, quand il a en tyrannique, ça va tout seul. Hein. Putain, les dégâts qu'on a là. Ok. Oh, il a passé qu'une fois, let's go. Ah, je suis juste un peu trop rapide par contre. Je vais vanish instant là. Ah, c'est parce que c'est un Viet qui l'a fait ça. Ah, c'est pas de... Ok, je comprends. Je stun. J'ai kick aussi. Ok, on l'a tous kick. Il ne castera plus. Le caster est perdu. Il cherchait touche là. Là il cherchait touche le PNJ là. Ah oh, Kama t'as vraiment CD spack là. Là je CD. Non mais on a fait l'inverse tout à l'heure. C'est pas plus mal. C'est. Depuis le début je l'avais pas lâché là. Il fallait que je lâche. Ah fait que t'es vicieux. Ok, je comprends. J'aime pas avoir mes CD pas en cooldown. Je me dis que je fais pas une bonne run. Tu sais que je me dis un peu pareil moi mais bon. Quand je me dis que mes CD sont pas en cooldown, c'est que mon DPS il est pas bon. J'ai kick. Je comprends. Bah là, Naxi, on a un problème. Hein. Il a 100 DPS de plus, tu sais. C'est vraiment un enfoiré ce mec. Hein. Littéralement, tu veux pas entendre ça. Hein. Alors que je suis avant hors la loi avec des tags, putain. T'es en dague, sérieux? Je suis en dague, ouais. Moi je dis, Naxi mérite toutes les pays du prochain raid, hein. Non, c'est dans la gros. Ouais, Naxi gagne 0,3 DPS s'il a une pays, mais. Qu'est-ce que j'en dis, mec? Non. Tu sais pas, toi, mais si. Parce que si t'as pas les pays, mon gars, t'es pas là. Je parle pas que de moi, je parle des démons, en fait. Ouais, mais même, en général. Moi, je me bats pour ma confrérie, tu vois. Ouais, mais bon. Pour les démons, ils jouent, hein. Attention.
J'ai kick, je vous laisse le prochain. Le vent de la mort. Oui. Oh, merde, je suis dedans. J'ai poulet. Je vanish. J'ai vanish. Non, je suis mort. Bah ouais, avec le coup. J'ai pas fait gaffe. En plus, ça avait juste que le vent de la mort et ça m'a tellement pas parlé. Tu sais, d'habitude, on me dit. Hein, je suis bon, ok, vent de la mort, pourquoi il dit ça? J'ai trollé, hein, je suis désolé. Ouais. C'est peut-être les pourcentages qui vont nous faire carrer la game. Ouais, c'est facile. Ouais, mais c'est ce qui me fait perdre. Enfin, ça nous fait perdre du temps que je meurs aussi. Ouais, mais de toute façon, c'est ma faute, hein, clairement. J'ai rien à dire. c'est pas GG. Ah ouais, j'étais pas focus dessus. Hein. Je me dis, bah, il casse là. On te voit pas, frérot, t'es où? Mais t'es où en mythique? Je te voyais pas non plus, frérot. Écoute, j'étais en train de poser. Bah, pose tes plus belles flaques. Hein. Quel goal reste? Ah, t'as libéré? T'as fait un sacré dessin, hein, c'était magnifique. T'as libéré les nids? J'ai repeint tout le côté droit de la salle. C'était magnifique. Le petit gif à craper, what? C'est quoi ces dégâts que je prends là? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Bah, je suis quand même mort. J'ai rien pris, mais je suis quand même mort. Mourrez pas. On a perdu trop de temps avec ma mort là en vrai. Oh, le portail. Ok, je prends le kick. Oh, je prends vraiment cher par contre. Hein. J'ai besoin de. De healing. Attends, on fait trop de conneries. Non, c'est bon, il est mort le truc. Ouais, mais Rez, on fait trop de conneries. Il refait. Je suis mort. J'ai besoin de Bérez. J'ai besoin de sang. On avait pas. Ah, il est mort, Hiro, c'est pour ça que. Drago, il reste Hiro et on est bon, mais. J'ai compris qu'on m'a dit de Rez. Non. Bérez. Prends pas les portails maintenant. Je vais activer le portail qui t'amène direct. Oh, t'es smart. Attends, moi je vais Rez Zaxi quand même. Petit bonhomme. Oh, t'es tellement beau avec tes ailes. Oh, ça va, vas-y. Ouais, bah ça, lève-toi. Oh là là. Allez, let's go. Quel portail je prends? Il est tellement beau avec sa transmo dégueulasse au sol. Pas gentil, ça. Ce qu'il y a de la fatigue, là, quand même. Non, moi, je suis bien. Non, mais là, on est bien, là. Fait beaucoup de conneries, let's en comparé au run d'avant. Et c'est une clé plus simple. Allez, c'est parti. Non, on a pas d'huile en fait. Ah merde. Ah, moi j'avais faim, mais y'a pas d'huile. Ah putain. Drago. Non, ouais, faut pas libérer dans cette instance, hein, vraiment. Il est là, Lenny. Ouais, mais. Ouais. Enfin, c'est pour le style, tu vois. Là, s'il est intimidé, il prend 10% de dégâts en plus. Ok, go. Ok, moi j'ai la W, je mets un petit CD. Attention. Tu vas avoir le rayon bientôt. On va tirer l'âme sur moi. On va dans les trucs. J'ai kick. T'as un stand dispel, hein, j'ai ça. On a tous kick en même temps. C'est beau. C'est quoi les dégâts là? Ah, faut qu'on fasse des rotas quoi. ok, Drago, tu prends le prochain kick. Hiro, fais attention à Lenya. Bon. Drago. Ok, je prends. Quelqu'un? 4 par seconde. Attention. Ok, je prends le prochain. J'ai. Quelqu'un, Lenny, du coup. T'es prêt. J'ai ça. Je prendrai le prochain. Il l'aura pas, hein. Il peut pas. Hein. Ouais, je sais. Prends le prochain quand même. Hein. T'inquiète. Drago, hein, du coup, hein, laissez-le. Nickel, je prends le prochain. Je spot. C'est n'importe quoi. Bah, tu vois, je prends Drago. T'avais pas l'autre AO, hein.
Drago, non. Drago, je t'ai dit que je prenais. Bon, c'est pas grave, je prends. Non, mais j'ai pris ça. J'ai le kick. Hein. Ok. Camari. Prochain kick. Je suis en faille. Ok, pas de soucis. Il est mort. Ouais, il est mort du coup. Ouais, c'est ça, c'est ton kick ça. Après, on est pas à l'abri que ça envoie un petit bim gratos, hein, le fait, on sait pas. Hein. T'as vu le 100-0 que j'ai failli prendre, gros? J'étais avec des trucs. Hein. J'ai failli prendre la même. Hein. Vous avez eu tous les deux le double des buffs en même temps. C'est fini. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. On a pris d'art. T'arrives, en plus, je pense avoir pris les deux en fait. Non, oui, j'ai pris double buff, mais pas celui que je pensais en fait. T'es en course sans dur, ça, mec. Hein. C'est scandaleux, hein. Je mets une gate pour voir si ça marche, tu vois. Yes, ça marche. Mais elle marche la gate ici. Bon, on a fait des pourcents en plus, hein, donc c'est pas déconnant de les skip, hein, Camara, pour rappel. Ouais, mais en fait, l'autre il est plus relou, il est avec son fil et tout, il a bougé, il nous orchestre. Ouais, mais on peut peut-être skip les deux, genre je roule un et l'autre on le gate. Non, on perd trop, on perd trop. On garde la même run. On fait celui-là et on skip l'autre. Ok. C'est la même qu'on a fait tout à l'heure, c'est très bien. On l'a du coup. Ouais. Vas-y. Exactement. Je l'ai vu, Lily. Hein. Tu t'es fait quoi? Tu t'es pas fait kick? Je vois pas de quoi tu parles. 100% tu t'es fait kick, frérot. En tout, putain. Fais attention, arrête de casse. Ah, encore kick. Eh non, regarde le démo qui lève les bras. C'est la victoire. La victoire, ça a joué. Ah, après faut, mais oublié. On l'oublie souvent. Regarde sa tête, il fait trop peur. Toi aussi, tu fais peur avec ton moine. Tiens. Super. La confiance règne. C'est du racisme. Pourtant, j'aime bien les pandas, hein, gros. Ils mangent du bambou, tout ça. C'est chez moi, hein. Tout va bien. Le mec qui a lâché, c'est chez moi quand même. Hein. S'il a lâché, hein. Non, c'est pas lui qu'on doit chez celui-là. Non, lui, on le fait lui. Ah, lui, la gloire. Du coup. Je suis pas sûr. La gloire, j'ai un doute. Hein. Bah, il l'a réservé en premier. Il la colle. Attention, les castes. Bien joué à tous. Super Camari. Je le casse, les gars. Je le casse, les gars. J'ai juste sorti l'école de magie, c'est tout. Toi, t'as lâché la nature, Camari, quoi. C'est pour ça que je voulais qu'il s'est trouvé, tu te fais kicker Arcane, tu peux PS, hein. Ok, ok. Je vais stun un des deux du fond, il faudrait quelqu'un d'autre. Ah non, ouais, mais non, j'ai plus de DR du coup, ouais. Sur les archers. C'est pas ouf ça. Ah, my bad. Ouais, faut juste attendre 2 secondes, comme ça après je les. Mais c'est pas grave. On va les déboîter. J'ai aggro, hein, du coup, Drago. Je vanish avec pour pas t'aider. Mais... Tu veux avoir texte, Viral? Ouais. Ouais. On boit de la bière, tout ça. Vas-y, bois. Non, je suis à fond. Moi. Accès, du coup. Ah, tu me parles quand tu dis ça, hein. J'ai kick le démo. Ouais, c'est pas ouf ça comme kiting, hein. Reviens, hein, mec, t'as de la vie en plus. Ouais, attention, hein, mais c'est juste que du coup ils sont vraiment papa qui est. J'ai pris quoi? Il y a l'archer qui tape quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est l'archer qui tape derrière, hein, qui vous fait mal. Hein. C'est vraiment pour ça qu'il faut que les focus et que normalement je les stun sur 7 secondes dès l'open. Okay, nickel. Yes, on skip après. Ouais. On skip, ouais. On pré-gate, ouais. Mais c'est abusé les pourcentages qu'il donne, c'est pas si quoi. T'as vu ce qu'il a donné, ça? C'est abusé, hein. Je suis un trop. Pas grave. T'inquiète, ça va. Il fait pas trop mal normalement en mono lui. Y'a pas de troll gros. Ça passe bien. Calme. Donc on gate et on le démonte. Y'a plus de gate. Moi je garde mes CD pour le duel avec Camari, hein, juste pour info. Vas-y, fais ça, je garde aussi le taxi. Ça va être un bon run, t'inquiète. Par contre, il fait clairement le BL lui. Hein. Oui. Ouais, tiens, t'en vas tout. C'est parti. Bannière.
Elle disparaît, elle existe pas, elle a pas le droit de jouer. Nickel. T'avais une manière toi quelque part Putain, je suis quasiment sûr, il fait pas une manière. Pardon. J'étais clairement pas dedans. La proléni, nickel, merci. Vas-y, tue-moi vite, Nex, s'il te plaît. Garde de la ressource pour la bannière. Pourquoi y'a ma gate? J'ai pas mis gate. Je sais pas, oui, t'as vu, c'est marrant. Si, si, t'en avais une au début. Ouais, mais pas, pas en bas de l'arène en fait. Si, si. Bah non. T'en avais une. Ah, mais vu que j'ai mis une balle, elle m'a fait du zéro. Je sais pas, là. J'ai. Arrête de. Envie de mourir. Pauvre hero quoi. C'est un beau baptême comme qu'on lui met un hero. Bannière. Hero de la Luna. C'est pas ça qu'on a dit tout à l'heure. Elle existe pas. Hein. Elle existe pas, non, elle se dépop. Hein. Elle a pas envie de jouer. On le tue avant de se reprendre là. Allez, c'était propre. Avant ça. De se faire prendre, Kama, s'il te plaît. Yeah. Et Naxil, j'espère que tu l'as gagné l'autre là. Bah, il s'est laissé faire, ouais. Ah ouais, ouais. Il est d'avance, donc. Donc, bon, partant de là. Est-ce que t'as vraiment envie que ce soit père ma fille hein? Ça peut durer 20 minutes, hein. Je tape pas, hein. Ouais, fais pareil, gros. Fais pareil. Je stun le masque. C'est stun. Ça a jamais existé. Ah oui, on l'a tous quête, hein. Ah, ok. J'ai rien pour le prochain. Ah bah là. Tout à l'heure, j'avais mon golem, là, je l'ai pas. J'ai dû le plaquer trop tard comparé à tout à l'heure. On a été plus vite sur le boss aussi, là. Ouais, tout à l'heure, on a fait tout. 35 secondes, tu dirais. Bah, on a fait deux phases, hein, tout à l'heure. Là, on en a fait qu'une, hein. De Darren, hein. Tout à l'heure on a fait deux phases et là on en a fait qu'une. Darren. Ah, vous êtes loin. Mais là on avait un rattrapé le retard avec ça. J'aurais pas pensé à 35 secondes. Ah si, en vrai c'est long, hein. Mais tout à l'heure on avait pas la BL, je crois, pour le boss tout à l'heure. Oui, c'est ça. On voulait les boys. Là je m'en infernal, je sais pas quand. Ah, faut ça. Faut que j'aille au cac, faut que j'arrête de troller. Je kick. Ouais, ouais, ils font mal en plus. Hein. Bah, ouais, mais c'est pour toi en fait, pour que tu puisses taper. Là, c'est toi. Ouais, c'est ça, ça change beaucoup de choses. Hein. Ouais. Oui, je bump ça. Le kick, le spell. Let's go! Prends-le, j'ai mon infernal 8 secondes. Skip! Moi, je pense qu'il fallait skip, lui. Sur la route de tout à l'heure, on l'avait dit. On l'a fait tout à l'heure, gros. Ouais, mais je pense que le skip était pas mauvais. On a fait des mobs en trop tout à l'heure, donc ouais, il y avait moyen qu'on skip. Ouais. Ah non, je sais pas, non, on a pas fait en trop. Non, c'était le run d'avant, je confonds. On va reprendre. Drago, avance-le par contre, hein, s'il te plaît. Plus. Oh, ce rock là. Drago c'est par où? À l'aide. À gauche là. Le chemin. Ah, c'est bon. Je vais laisser des sparks là. J'ai rien, moi je l'ai mis déjà. Il va y avoir un truc là-dessus, hein. Des coups de masse. C'est parti. On a vu la pleine lune? On l'a vu, on l'a tous vu. Hein. Une magnifique pleine lune, mec. Oh, il est mort le pack. Le kick, il y a jamais. Oh, là t'es à 16k, mec. De rien pour le kick, hein, à distance. Ouais, mais j'ai l'aggro. Je prends le kick. Bah, en fait, meurt. High fall. Meurt. Il reste un aide là-bas, hein. Go le tuer. Ah, je vois. Cœur le sort. Super, hein? T'es vraiment un bro, hein? C'est comme Picaboo qui a passé en zéro avec la pleine lune, ça? Il a même fait une photo, même. Ouais, il en pouvait plus. Il a dit, mais gros, c'est quoi ce jeu? Tu m'étonnes le pauvre. Il a tué son mate en 1v2, et puis il s'est fait OS. What? Il a regardé les logs, après, il a vu Full Moon. Ah, bah voilà, c'est Eki, hein. Il a joué Eki? C'est vrai? Tu veux le shred? Non, non. Lui il shred partout, Anonax, il adore. Il adore. On shred, on shred. Bah, moi je suis partant. Je fais skip des packs. Donc, lui faut être sur le côté, c'est ça? Bye. Ouais,
Pas devant lui et pas derrière. Yes, exactement. Quoi, il cast. J'installe le masque dès que ça tombe. Vortex aussi direct. Tombé. Merde, j'ai mal kick. Oh nickel ça, super. Super les bruits. Ah oh, c'est clean. Ça remet le masque. Oh le Joe, le voleur à la loi. J'ai pas de kick hein. J'ai kick t'inquiète. J'ai prochain jeu. Mais y'aura pas. On est beaucoup trop fort. Donc là on est à peu près dans la même. Ouais, sauf que je pense qu'on va, on va devoir faire tout le pack en haut, non? Ouais, bah on va devoir faire les deux packs. Ouh! Ok. Première descente. J'ai rien là. Tu veux le bouger, Drago? Ouais, nickel. Parfait ça. Ouais, super. Non, mais. Oh, je suis nul. C'est fou que ce soit pas aussi punitif ces crochets. Ouais. Mais si on essaie de prendre tout, c'est punitif. Hein. Faut que tu changes de zone. Ouais, mais ça pourrait être fier, je suis assez d'accord. On est beaucoup trop slow. Oh mais je suis vraiment putain de troll en fait. Mais venez au cac en vrai. Maxi il peut pas dépasser Zad. Non mais je les tue ouais. Les Zad en fait, c'est juste que... oui a le droit de jouer aussi en fait. Non mais en vrai avec deux Chaos Bolt y'a plus d'Ad, c'est juste que j'ai mal joué jusqu'à présent. Puis surtout que t'es pas grave quand t'es au cac en fait. Oui si ouais. Mais c'est un carré de ouf sur ce déplacement ça. Attention, bouger, y'a le claque. Ouais, mais les tornades font trop chier, ouais. En vrai. Ah bah, tiens, Nick, tornade dans les petits donjons, ouais, c'est ouf. Ouais, c'est horrible, hein. Dans les petites salles comme ça, là, c'est vraiment horrible. Sans ces affixes, ça va. Sans cet affixe, ça va nous rendre trop heureux. Il y aura d'autres affixes qui vont nous casser les couilles. Hein. Ouais, mais les tornades quand même. En vrai, c'est chiant, mais surtout pour les cacs. Hein. Enfin, nous, mon caster, ça va. On met les petites salles, ça va. Excusez-moi, cac. Ça dépend des boss, comment tu dois les jouer. GG. Alors, celui-là, les tornades, caster, il est relou quoi. Parce que c'est une petite salle. Oh, on peut pas se balader comme on veut, tu vois. Il a raison, ouais. J'avoue, il doit cast en haut. Attends, non. Est-ce qu'il donne 7% là-haut là? Ouais, ouais. Le tout donne 7%, mais ça fait quand même faire le pack qu'on voulait pas faire, mais oui. Ouais, mais on peut prendre séparé, on peut prendre le gros et faire le petit après tranquille. Ouais, c'est parti. Là, on est large niveau timer là. On est très bien, on est comme. Ouais, 10 minutes, on est bien. Juste focus, pépouse. On prend le temps. Là, par contre, on l'aggro direct dès qu'on remonte. Ouais. What the fuck. Je les enrage direct dès qu'ils s'enragent là. Et Naxi qui me met 700 DPS sur les Ouais, c'est ça qui est beau, mec. Ça, c'est bien. Montre-lui Naxi. Allez, une petite tirnaque, je vais vous mettre un coverall là. Ah, déjà, on meurt pas sur les. Ah, je vais mettre des épées, hein, Camaris, si tu continues, hein. Mais fais-toi plaisir, hein. J'ai kick. J'ai play. Je masse 10. Ouais, j'en ai. J'en désenrage un. Hein. Moi aussi. Nickel, il n'a plus que. Non, c'est bon. Non, oh, c'est bon. C'est beau, Naxi, c'est beau. On équilibre. Allez, là, on envoie notre meilleur DPS sur la piscine. On est des bonhommes ou pas? Bien sûr qu'on est des bonhommes. Allez, là, quel truc. En vrai, elle est pas si mal la route en vrai. Non, elle est vraiment bien. Elle est pas mal. C'est pour ça que je voulais pas la changer, moi. Ouais, c'est ça.
celle-là elle est vraiment cool. Mais pourquoi on a eu la belle alors sur le deuxième boss et tout à l'heure on l'avait pas eu, je comprends pas. Parce qu'on a dû en aller plus vite simplement. On va chercher hein. Je pense qu'on connaissait pas trop aussi. Ouais c'est peut-être ça. Celle-là la belle elle est vraiment bien tombée quoi. Regarde, on est easy, on a 10 minutes, c'est une pute. Enfin... Full focus les gars. Allez. C'est pour toi que tu le dis Drago. Non pour vous aussi, vous me aussi sur les rayons des fois. Il a raison. Focus. Pleine lune, ouais, nique ta mère. Ah, c'est le pouvoir des fées, il donne pas les. Ouais, ça. Ouais. Zut. Flut. Focus, my bad, j'arrête. Maston. J'ai plus rien. Il y a 50%, il perd son transi. Rayon. Les extérieurs. Jamais l'intérieur. Charge. Je l'appuie, je dis ça, je l'appuie. Éloignez-vous. Kick, j'ai rien. Charge, attention, on reste pas au middle. Charles, les fights. Oh non, sortez de la fight. Mero. Charge, oui. Attention. Rayon. Voilà, ici. Peut... Bon, allez, let's go. Et on était vraiment à 30 secondes de la pizza. Hein. Je vais pas être. Voilà. Ça, c'est du tyrannique souffrance. Ça, c'est.